Comme ça, c'est pas
ce côté triste-là, c'est pas seulement dans la télé, c'est même dans la vraie vie. Vous demandez que de toute la Nabila, Coralie, Mélanie, Ayem, avec qui il a travaillé, qui est sorcière, il m'a dit c'est Coralie. Là, c'est Coralie, a pris un peu de Mélanie. Et je me demandais, mais attends, moi comme j'aime mettre ma bouton, je dis, mais apparemment il y a un petit mouvement d'amitié entre Mélanie et Coralie là. Est-ce que l'une est écrite dans la langue? Parce que moi, affaire de camarades, de camaraderie de femmes, je connais par cœur. On a tous vu dans les émissions que Mélanie a adoré Coralie et que Coralie faisait apparemment semblant d'aimer Mélanie. Est-ce que Mélanie a apprécié le live quand elle a entendu ça? En tout cas, elle n'a pas réagi. Donc apparemment, Coralie insulte proprement Mélanie. Tiens, comme derrière, à la juive. Parfaite, la stunt,
homme là, après l'amour, c'est pas la guerre. Après qu'il t'a pas pleuré et qu'il t'a aimé, il va pas s'asseoir sur les réseaux pour t'insulter. Il a supporté les insultes de mon mauvais rôle. Tout le monde a insulté Raphaël. Comment tu peux faire ça à Coralie? Elle t'aimait. Tu étais son chéri doudou. Comment tu as pu lui faire ça? Tu vois, la ligue des justiciers à toutes les féministes. Vous avez vu? Les hommes sont tous des salauds. Raphaël, il a trompé Coralie. Patati patata. Et finalement, pour nous entendre quoi? Quelle révélation que la Coralie a elle-même la trompée sauvagement de façon latérale, perpendiculaire, équilatérale, équidistante, que même que tout d'abord était aussi détente, elle a trompé la fête. Les féministes, ça fait tout. On ne vous entend pas, hein, bizarrement. Hein, depuis la fameuse tromperie de Coralie, là, je n'ai vu aucune féministe venir me fatiguer en DM que oui, tu as vu Coralie profiter de ça pour l'insulter. Il est dans son love. Donc, elle qui a vu cela jouer les saintes sur les réseaux, se trouve finalement a été infidèle envers Raphaël. Par contre, ce que Bizet n'a pas voulu révéler, c'est le nom du fan. Il a donné un exemple. Il a dit, j'ai même un exemple pour vous, des propositions carrément. Hein. Ça commence par N, son prénom commence par N et se termine par X. On sait tout de qui il s'agit. On sait tout de qui il s'agit. Et il dit que lui, par contre, il n'a jamais répondu à ses emails de propositions indécentes, mais certaines candidates répondaient elles-mêmes aux propositions, donc elles-mêmes allaient se vendre à la page de leur client. Moi, je me suis demandé quel genre de client c'est. Parce qu'on sait tous, il y a les Émirats, mais il n'y a pas que eux. Il doit y avoir d'autres personnes. Artistes, footballeurs. Mais il y a de tout. Les hyperturbes, il y a tout. C'est versé. C'est gâteux, il y a tout. Footballeur, émir, tout. Il a même dit qu'il y avait un comique qu'il avait contacté pour Coralie. Hein? Il y en a qui ont trouvé le nom du comique là. Je ne vais pas dire son nom ici, mais apparemment ils ont trouvé. Pendant le live, ils ont trouvé le nom du comique. Donc la comique aurait contacté Bizet pour entrer en contact avec Coralie. Pas, peut-être pas pour de là. Bisous, hein, c'est pas pour ça. Parce que j'ai demandé, mais attends, c'était pour l'affaire de bisous. Et il m'a dit, non. C'est pas forcément pour ça. Hein. Il a juste dit qu'il veut son numéro. Alors, elle veut. Tellement elle est maigre. Toi, tu es garçon, tu vas à la salle en plus, tu t'en vas cogner la fille d'enfant des gens. Mais elle aurait pu y rester la même, en fait. Et maintenant, je commence à regretter d'avoir pris la défense de Julien contre Ilona quand Ilona avait percé son œil. Parce que je me dis, c'est le karma, mon frère. C'est le karma. Tu as fait manger, mange ta part. Peut-être tu mérites une fille violente comme Ilona. Parce que peut-être que c'est ton karma en fait. Et j'espère que, après ce que tu as reçu comme coup, tu as compris le mal que tu as pu faire à Aurélie. Quand faudrait-il que les hommes violents. Et moi, quand on les dit. Ils se tabassent contre eux. Quand ils ont dit à la télévision, ils jouent les mecs gentils, les mecs sympas, les bons fils de famille, les parfaits petits, le genre idéal. Parce qu'il est bleu aux yeux bleus et qu'il est baraqué. Mais en fait, ce mec-là, il est violent envers les femmes. Sans compter sa condamnation pour ses histoires de passion de drogue, ce mec-là, il a des pailles très sombres. Hein. Avec son sourire ultra pareil qu'il a, Colgate, hein, ce mec a des pailles très très sombres. C'est un commun, plutôt. On parle de. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux encore raconter, expliquer un peu sur ce milieu-là. Quand c'est gâté, c'est gâté. Je ne trouve pas qu'il y ait un peu de. J'accepte de discuter avec lui, c'est parce que justement, j'ai toujours dit que c'était pas. Il nous a parlé, voilà, comme tu as dit, le pouvoir, c'est trahison, etc. C'est un milieu qui. Miam, miam, miam.